Allons plus loin cette année. Pipi vient, Pipi vient. Viens, hein? Appelez-moi Pipi. Difficile de venir à bout des tâches coriaces? Tu n'as pas encore essayé Ferry et sa capsule Ferry Peps. Regarde. Appelez-moi ma collègue Pipi. Pipi, tu sais, toi et moi, on est des années-lumière. On appelle ça. Quand vous voyagez pour aller au pays, hein, il faut toujours prendre le livret familial. C'est-à-dire que quoi? Quand tu arrives au pays, si par exemple votre carte de séjour ou votre passeport français, enfin, c'est pas. Est-ce que tu as le livret familial? Pipi, montre-moi ton livret familial. Avec qui? Tu sais que tu as fait quoi? J'ai mis au table dehors. J'ai violé au table. Regarde-toi là où tu te retrouves. Avec qui? Au table. Donc il n'y a pas d'autres hommes parce que les hommes ne t'assument pas. Quand je vous avais dit que c'est elle qui avait monté le coup pour que DJ, elle a voulu, je dis que c'est elle. Pipi, toi et moi n'est pas pareil. Hein? J'ai tout ce que tu aurais aimé avoir. J'ai été marié. J'ai eu des amants. Excusez-moi. Viens-le. Oui. Oui, pour moi, ce que j'ai encore le problème de la cuisine, c'est pas encore prêt. Ah non, 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 il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la plomberie, il y a tout ça. Mais bon, mais il faut venir. C'est quand même le 19, hein. J'ai dit que, ouais, j'ai dit le 19. On va inaugurer la cuisine, même si c'est un chantier. On n'a pas le choix. Voilà. J'ai déjà tout commandé et tout ça. Donc c'est bon. Demain, j'attaque la cuisine. Donc voilà. Vous venez à combien? Bien. Mais il faut venir avec elle. Ici, c'est la joie. Hein? Mais non, il faut venir, je vous attends.
Mais il faut. Mais oui, mais j'ai mis mon PayPal et vous n'avez pas cotisé. Hein? D'accord, tu vas regarder quoi? Je suis en direct là, hein? Je suis en direct. Dans Warriors des Warriors. Warriors des Warriors. On n'entend pas ta voix. On n'entend pas ta voix. Et ici, chez moi, je ne filme pas les gens ici. Quand toi-même tu veux te filmer, tu te filmes. Voilà. Oh, ok. En tout cas, je reviens vers toi tout à l'heure. Oui, je vais mettre le. Je vais revenir, je vais mettre le. Après, les gens, parce que les gens qui viennent ici, ils doivent commander et tout ça. Parce que ce n'est pas n'importe qui vient ici. C'est quand même dans l'épicerie de la bourgeoise de Suresnes. Donc, ici, il faut se venir. On va s'amuser. Bah, vous allez voir la tour Eiffel. La tour Eiffel sera allumée demain. Ouais, ça, tout sera là. Tout sera comme il faut. Ok, à tout à l'heure, merci. Ok, merci. Bisous, merci, c'est gentil. Merci, de rien. J'ai le choix d'abord, merci. Pipi, quand tu regardes ton vécu, et moi, c'est pareil. Hein? C'est pareil. Toi, tu vis au passé, mon père était. Mais quand je t'ai connu à quoi? Tu étais quoi? Tu fumais le banga avec Frédéric. Tu baillais, tu lavais le sang, tu n'as que la grande gueule. Les gens te commandent. Tu sais, moi, c'est rare que je parle des vidéos des gens. Hein. Quand je parle, comme je dis, j'étais dans les vidéos de comment on appelle, Nadine Papa. C'est tout. Parce que là-bas, il y a le Congo, ça. Et que je m'inquiète parce que il y a les gens qui ont la cuisine. Tu penses que je passe mon temps à payer dans le noir? Tu es qui? Non, je te commande quand je veux, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu as déjà quel âge? Tu es ma grande soeur. Tu pars te maquiller, tu viens te placer, tu mets le filtre pour dire que tu es belle. Une femme qui est propre, belle, soi-disant, tu devais te marier, avoir des enfants, avoir tout. Mais malheureusement, avec ta propreté, hein, même ramper parti, ramper chez Marie. Et là, maintenant, tu repars encore chez ton rat-rat qu'on appelle au Tamsou, que j'ai foutu dehors. Hein? Au Tamsou. Je dis que je sortais avec le roi. Il ne baisait pas bien. Et je le commandais. Même l'eau, pipi, il ne vivait pas chez moi. Il mangeait des kebabs. Il connaît mes enfants. J'ai peur de qui? Il fallait faire monter, non? Que au Tamsou, vous ne faites quoi? Je n'avais pas honte. Donc tu quittes par rampe pour aller chez Raterate. Eh bien, dis donc, vous avez une vie. Tu as ça. Une femme qui a été mariée, qui fait fréquent les beaux milieux comme moi, tu me compares à toi, j'ai pitié de toi. Je veux dire le canapé si tu as dormi ici combien de fois. Ma asticot, ma droguée. Est-ce que tu m'as vu parler à la drogue une fois dans ta vie, depuis qu'on se connaît? Que tu es là, je fais papa. Jamais. Il faut insulter. Regarde-moi celle-ci. Une pitiation de Founa, comme toi. Tu as traversé 50 millions de pays pour atterrir à Reims. Avec qui? Hein? Rap. C'est même moi. Peut-être que maintenant il y a un problème. Est-ce que tu sais que Marie Léo était venue prendre les choses chez toi? Elle fait ça, elle a pas été venue, demande à des gens. Tu vois que moi, un homme me quitte, il amène sa femme chez moi pour passer sa affaire. Chaque quoi, c'est la guerre. Il ne peut même pas s'aventurer. Et moi, n'est pas pareil. Hein. Toi, tu vis dans le petit Congo, ça. On a fait que, on a dit que. Tu oublies que je t'ai aidé dans ma vie. Hein? On m'a retiré la tontine à cause de quoi? Quand t'as arrêté au pays. Vous étiez contente. J'ai mis mon cavalier ici là. Ouh, pour rembourser mon argent. J'étais supporté. Tu es qui? Tu as appelé qui drogué? Non, regarde-moi très bien. Tu et moi n'est pas pareil. Hein? Toi, tu vis derrière les followers. C'est-à-dire que toi, tu te réveilles le matin, tu pars partout, ou commandes partout. Est-ce que toi et moi n'est pareil? J'étais aidé. Tu es venu dormir ici combien de jours? 4 jours. Dans les articles, en partant 250 euros, tu dormais dans mes draps,
immaculé blanc que Charline Johnson m'avait donné. Tu as oublié ça. Tu insultes ma maison, tu peux préparer plus que moi. Même si ma cousine est sale, bon, j'ai des doigts de cuisiner. La rater, rater. Regarde avec qui tu traînes. Va chez Pangou. Quelqu'un m'a récupéré Pangou. Et toi, tu as récupéré qui? L'homme qui t'a mis des photos du dehors. Les attachements de ça. J'ai pitié de toi. Hein? Tu vas montrer, tu n'es rien. Ton vécu, c'est quoi? Tu apportes quoi à la société? Hein? Tous les gens qui sont venus dans ta télévision de Facebook là, de sous-cartes là, aujourd'hui vous êtes où? On te clash, on te lave. Tu n'as que ça. Dégage ton écran devant les gens. Tu peux parler devant les gens. Tu es qui? Tu n'es rien du tout. Hein? Ta copine, regarde ta copine. Il faut la lambrade, où est l'ambrade? Toi, tu es où? Comme ta copine était avec par ça, par Google. Toi aussi, il faut que tu te filmes avec le raterade que j'ai jeté chez moi, que j'ai violé. Mais oui, c'était mon copain. Oui. On avait déjà trop bu. J'ai dit que moi, je ne savais pas qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il m'a registré. J'ai dit, ouais, fais-moi l'amour. C'est normal. J'étais avec lui. Demande-lui là, il y a un chez moi. Et jamais. Je l'ai traité comme un raté clair. Il vient. Il reste là. Il pouvait changer la télévision pour dire que je veux pour le match. Il dit, non, il n'y a que les raté-rates qui viennent avec les raté-rates. Tout le monde est pareil. Viens me regarder, hein. Ma astico. J'étais connu où? Chez Mathilde Blanc. Tu lavais le sol, j'ai toujours dit que c'est ça. Toi et moi, on n'a même pas coup de vie. Tu peux te comparer avec une femme comme moi. Qui a tout eu? Qui a fait ce que tu as dit de la vie? Marié, fait les enfants, grand-mère. Toi, tu as quoi? Tu as fait ta bouche de là. Je suis belle, je suis plus belle que moi. Hein? Tu peux te mettre là où je me mets. Tu peux mettre les talons. Hein? Mais vraiment, c'est long de l'eau. Imbécile. Montre-nous le privé de famille. Je suis camerounaise comme toi. Montre-nous vraiment pas ici. Il y a monsieur des démons, il y a mes enfants et tout. Tu as quoi? Que de vous là. Vous avez là. Tu as la force parce que tu avais les teams. Moi, j'ai ma force, ça, je m'en fous des teams. Et j'entre chez l'eau quand je veux. Comment on appelle Nadège quand je veux. Je bois mon chardonnay. J'écoute ma musique. Bientôt, je vais aller à Saint-Barthélemy. Toi, tu vas aller où? Tu as quoi? Va travailler. Je suis veuve. Mon mari est au cimetière, comme tu as dit. Toi, tu as quoi? Tu vas mourir même sans être veuve. Tu vas même mourir sans qu'un homme se met à genoux pour t'épouser. Regarde les racailles que tu prends. Rappelant est parti. Tu parles, tu me parles, moi. Ta force, ce sont les gens. Ma force, c'est que je suis seul. Tu m'entends? Pitiation, Foguna. À ton âge, tu n'as même pas créé mon album. Le jour où je m'en vais au Cameroun, je ne m'en vais plus. Je vais vendre une maison. J'ai voulu la vendre à 50 millions. J'ai parlé avec une amie, il m'a dit non. Je pense que je vais aller voir. Je vais vendre ma maison à Cluby. Tu m'entends? Je veux la vendre. Comme vous voulez que les gens parlent, je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer mon ampoule rouge. Et là, moi, c'est une ratée. Tu parles à qui? Ta force, c'est d'aller la force de les gens. Tu vas beau m'insulter. Je dis que Lolo, montre-nous ton livret familial. Les gens qui sont restés en France après 5 ans, on nous a donné les papiers punériels. Mais parle, tu ne fais quoi l'Europe? Être avec les noirs, et puis c'est quel noir? Les ratés, les noirs là. Lui-même, il est là. Il cherche sa porte de sortie. Toi, tu cherches ta porte, c'est la carte là. Hé, hey, je suis avec prof. Je baise autant quand je veux. Je l'ai traité comme une merde. Et oui. Il m'a fait enregistrer que je lui fais mon amour. Et alors, je l'ai mis dehors à 5 heures du matin. Il est qui? Il peut se dire chez moi. Je l'ai mis dehors à 5 heures du matin. Que dégage. Non, je ne peux pas sortir parce que... J'ai dit que ça, mon mari a dit que tu n'es pas bien pour moi. Pas. J'ai dit que autant avec toi. Autant c'est qui? C'est un homme là-bas. Un homme qui t'a attaché, qui a envoyé, qui t'a filmé, mais dans les
QS ou c'est QSB. Partagez partout. Allez chez Aïcha Sot. Te dénigrer. Pour te baiser. Faut qu'on te pique le. Voilà, je vous taille. Et l'héroïne. Tu me parles, moi. Tu as entendu ça. Le Lord dit que ton parcours de vie est le mien. Je ne peux pas voyager. Pour arriver en Europe. Et allez, madame. J'ai fait ça. Le Lord dit que même ma chaussure, tu ne peux pas la porter. Même mon chardonnay. Tu tiens à l'alcool, toi. Tu ne peux pas tenir à l'alcool. Parce que quand tu tiens, quand tu es grand de taille, tu commences à zigzaguer partout. Hein? Dis donc, quand même tes nerfs là-bas, tu ne fais rien, tu ne vois rien. Reste là, tu commences à, tu continues à commander tes étoiles. Moi, je commande les étoiles. Tout le monde est pareil. Je suis veuve. On peut être chassé dans ce pays, mais moi, jamais. Je suis en mariage ici. Toi, tu fais quoi ici? Je suis venu en mariage. Oui, mon mari aussi, monsieur, monsieur Degrément. Toi, tu as encore l'eau. Tu n'as rien du tout. On ne te connaît que pas. Il n'y a que Facebook qui t'a découvert. Quand tu me demandais, j'ai appris que tu casses les filles. Je t'ai appelé un jour. Je ne pouvais pas. Parce que tu n'étais pas conforme aux filles qui allaient là où je présentais les filles. Alors, on s'est mis où? Au Foufou Club. C'est toi qui es venu vers moi. Tu parles de quoi? Tu me pleures de l'eau. T'es rien du tout. Je m'en vais à Cuiby, je vais te montrer ma maison. Tu pèses. Des amis, je veux vendre ça. En tout, moi, je vends tout. Tu m'entends? Écoute-moi très bien. Et après, je te montre mon appel rouge. Il y a une manière. Parce que vous me voyez comme je suis là. Je suis humble. Je pleure tous les jours. Je n'ai pas d'argent. Et alors, ça peut arriver. Et toi alors? Moi, j'ai pleuré pour Nangoro. Toi, tu pleures qui? Pas un Gungu. Qui m'avait dit, non, il faut dire à ta copine qu'elle ne me colle pas tout, je ne l'aime pas. Elle a, ce n'est pas mon genre. Pas un Gungu, moi. Avec qui qu'elle est? Tu n'es pas son genre. Oui. Et après, il t'a insulté quoi? Le rat. Mboko aussi. C'est pas Gungu qui te nomme le nom que Mboko aussi. Le rat. Et moi, il m'a dit que non, j'ai dit que pas un Gungu. Les gens qui arrivent sur les réseaux sociaux par procuration pour venir insulter les gens. Tu es arrivé à Facebook pour insulter qui? Qui te connaissait? Tu es parti chez Ngossa. Et comment Ngossa est humble là-bas pour elle, que tu aies l'argent ou pour elle te jette? Elle t'a jeté. Tu es venu crier ce qui est sur moi, non? Après d'avoir insulté ma mère. Je t'ai dit que bon, crée ta part, tu as créé, où c'est à cœur ouvert. C'est où aujourd'hui? Tu parles à qui? Moi, je te réponds doucement, parce que je te méprise. Et là, tu dis, hé, moi, Yamsa. Yeah. Ils étaient ensemble toujours, pourquoi t'as pas invité que je viens aussi? Elle n'a même pas honte. Un homme qui t'a attaché avec les cordes, tu as quoi avec lui? Tout le monde parlait, je t'ai dit que non. Tu m'as dit que tu vas passer chez Aïcha Sot pour te sauver. Je t'ai dit quoi? N'accepte pas qu'on t'en parle. Ça va tourner au vinaigre. On est aujourd'hui. Parce que tu es naïf et bête. Mettez-moi les cœurs. Coucou Cristal. Et que demain alors, je vais travailler demain propre. Maman, les poissons, les misunga, ça. Je dis, tu as ta maison. Tu peux préparer plus que moi. Regarde une sale chose qui est venue dormir ici pendant les jours. Elle a dormi dans mes clans immaculés. Quand elle partait, demain, qu'elle était misérable, pauvre. J'ai mis encore plus 250, je t'ai donné. T'es qui toi? Tu me vaux? Le tout aussi. Oh, tout le monde va se mettre à sa place. C'est bien, il est qui ça? Mais à sauver, mais à crever, on est ça. On est ça. Regarde-toi. Vous traversez le désert, abazabazabaza, une bosaïse me parle. Moi j'ai pris Air France pour venir. Hein. Chouane. J'ai été avec toi comment on appelle ça? En airport. Je t'ai connu chez Mathilde. Tu balayais, tu nettoyais avec tes longs seins. Tu nettoyais le sol. Dans le carapot, c'est mis dur. On y a comme ça. Vous prenez même pour qui? J'ai décidé de tout aussi.
Le jour où je m'en vais au Cameroun, je vais te montrer comment je veux vendre ma maison. Duplex. À Kribi. Eh ouais. Tu me connais moi? Tu connais ma vie? Regarde moi une petite pétesse comme toi. Une vieille chouette. Hein? Ta force, c'est d'aller avec les nadages en bas par là. Vous faites vos courses à deux balles. Courses à du sous-cartier. Hein? Parce que vous aimez ça. Et moi, si je veux, quand je veux, j'arrive là-bas, je prends ma paille et puis je m'en tape. Insulte-moi. Parce que Nono, tu as raté ta. On t'appelle que rate-rate. Ton rap est parti ramper chez maman. Oh non, mais quitte. Il vient prendre ses affaires chez moi. Avec sa copine. Merde. Chez moi. Ngue. À jamais. Ah bon, hein? Et c'est moi qui te dis. Mais comment ça fait que. Rap vient prendre les choses de la maison avec Marie. Avec Ngosa. Yeah. Elle dit que non, je ne l'avais pas vu. Elle dit, hey, elle a vu. Tu ne vois jamais rien. Parce que tu ne vaux rien. Tu es raté, raté. Et que Lolo, tu ne vaux rien. Montre-nous ton livret de famille. Les gens qui ont les papiers punérés, quand les papiers punérés, ça veut dire que tu avais 5 ans ici, après, tu vas prendre un avocat, il faut travailler pour que on renouvelle tes papiers. On dit que toi et moi, on est pareil. Hein? Tu viens ici, je t'ai aidé. Tu as oublié ça. Le canapé, si tu as dormi ici, comme une fois. Tu étais ici. Ma maison est sale, les asticots. Mais ta maison est propre. Mais prépare alors la cuisine. Welcome, welcome, welcome to the kitchen. Une cuisine muette. Cuisine, ta cuisine, c'est la cuisine témoin. Donc, il ne faut pas trop préparer dedans. Parce que si tu prépares trop, ce n'est pas bon. Il fallait faire le bruit. Aujourd'hui, tu as dit ma part. Boum, 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 boum. Les travaux. On a seulement entendu une cuisine rouge. Alors que les anciennes cuisines de Koba, tu viens parler les réseaux sociaux. T'es qui t'as rien du tout. Il n'y a que Facebook qui veut ressourcer un peu. Tu es quoi? On m'appelle femme. Le logement construit. Tu m'entends? À l'époque, la maïtu a attribué qu'on paye les terrains. Tu veux que je te parle de moi? Je veux te montrer ma maison à Kribi. Ramène une petite pétesse comme ça. Même si je crie ici que je n'ai rien, ça fait quoi? Bah oui. Viens, ma yonte. Elle a dit une femme comme si. Maman. Toi et moi, c'est une place. Tu es ma colonne. Maintenant. Mais regarde-toi. Tu as déjà conduit une belle voiture un jour. Moi, j'ai conduit les Ferrari, les Porsche, Cayenne, après ça, après ça, après ça. Tu as conduit un jour. Ne rate, rate. Tu as espéré qu'un Fouja va t'épouser. Fouja est parti ramper chez Marie. Tu me parles de moi. Reste là-bas avec ta bande de sorciers avec une tête de Congo, ça. Je m'en tape et je m'en fous. Tu vas en avoir quelque chose un jour. Mais moi, je t'ai donné. C'est moi, c'est ici. Tu parles à qui? Il m'a écouté. Bon, il est langue de. Tu es ma soeur. Toi et moi, c'est une place. Pour vivre, pour exister, hein? Pour exister, il vous faut quoi? Il vous faut du monde, il vous faut les filles qui font le Congo, ça comme vous, de votre classe, de la basse cour. Oui, pour exister, c'est ce que vous faites. Moi, je ne suis pas comme ça. Chez Manta, le Congo, ça. C'est votre vie. Donc, quand tu regardes ta vie, tu regardes ma vie. Moi, j'ai ma tour éphémère. Montre-nous un peu la forêt là où tu vis. Hein? Moi j'ai ma tour Eiffel, c'est mon héritage. Depuis des années, tu as entendu que je faisais habiter. Quand on partait là-bas, autour là, moi, tout à Bruxelles, je dormais avec vous à l'hôtel impérial. Là. Moi je dormais dans les grands hôtels avec mes shows. Quand j'étais sudi, quand tu voyais, il faut que tu voyages avec les amis parce que tu n'as personne. Ah oui? Moi je veux quitter ici seul. Je sais qu'il y a des gens qui m'attendent là devant. Mais toi, tu es tu seul. Tu as des amis. Tu es connu, mais bon, peut-être dans votre chose. Tu es connu. J'étais déjà dit que non. Le cas, tu sors. Fais attention. Tu sais pourquoi le jour-là. Parce qu'il y avait une fille, une abeille qui voulait finir avec toi. Ah oui. Et quelqu'un m'était au courant.
Oui, quand je dis que okay, non, tu es seul. Regarde-moi celle-ci. Il y avait des filles là-bas qui voulaient tabasser là-bas. Demande un truc comme. Regarde-moi celle-ci. C'est moi qui t'as protégé. C'est-à-dire que, assois toi aussi, ne te lève pas. Reste là. Et vous savez pourquoi? Demande la tilapia là. Elle est au courant. Tu es trop bête. En tout cas, moi je suis là. Pas mes forces parce qu'après je vais travailler. Welcome, welcome. Tu vois, j'ai une vie. Je suis épanouie, je suis maman, je suis grand-mère. Je suis dans ma maison, dans mon bungalow. Lolo, attends, on va aller à Krimi. Je vais te montrer ma maison. Duplex. Je voulais vendre dans 5 ans, mais la flamme a dit que non. La maison que j'ai vue là, je veux vendre ma 100 millions. Je veux vendre. Je m'en vais au Cameroun. Je vais te monter mon ampoule rouge. Tu vas couler ton bec. D'accord? Tout le monde est pareil. Oh, j'ai appris que tu perds les filles. Attends. Disons les vérités. Est-ce que tu as le même parcours de vie que moi? C'est vrai que je peux commander parce que je n'ai pas. Je peux demander aux gens. Les gens m'aident. Oui. Mais la vie, c'est comme ça. On me dit, quand tu n'as que le vous avez la gueule. Veuve assis, quand tu oublies que c'est ce que tu dormais, ici, je connais chez toi, quand tu voulais tuer un camp, tu as oublié. Je connais la vérité. Même si Laurel m'a gardé, démenti la vérité. Tu m'as même bousculé. Oui, tu es tout le temps comme ça. Quand on dit, il est que l'eau, non. Flore ne m'a rien fait. Si tu vas aller la tuer, va seul. Moi, je n'ai pas trop de temps. Tu as oublié? Moi, c'est ma version qui est vraie. La version, l'autre là, qui ne sait même pas pourquoi elle est partie de tête. Vraiment. Les gens veulent tuer que quand même. Sauf la veuve. J'ai changé de vie. Vous avez quoi? Vous avez des enfants? Je suis fier. Moi, j'ai quand même eu ma part de bâtard. Vous avez quoi? Libéré. Non, on coule tout, c'est fini. La maison coule tout, tout est fini depuis. Je vais arranger tout. J'ai même vendu le terrain. J'ai décidé de vendre maintenant. Je veux vendre l'Opon. Je veux vendre le Pibi. Je veux encore vendre à Samuel. Pour faire quelque chose de mieux. Partager la chambre de mes filles. Regardez-moi les. les gens qui ont beau ça me parlent. Et puis un français. C'est pas grave. Ça fait quoi? Même si je suis pauvre, au moins, j'ai quand même un peu investi. Dans ma puterie. Ma mère vit dans ma puterie, là où j'ai construit. Toi, tu dis que tu n'es pas obligé. C'est obligé. Tu es venu te quoi ici? Vous venez rester encore à la racaille du pays. Là, avec les... Même, il faut même parler un vrai féman. Un féman. Le seul féman que tu as vu, c'est Gungu. Tu as vu comment t'as quoi appris Gungu? Ouas, ouas. Hein? Parce que tu parles de quoi là? Quand quelqu'un m'a entré, t'as salué. Hein? Tu es trop bête et idiote. Oui. Mais malheureusement, les gens comme toi, je vais te manger dans ma sauce chaque jour que j'ai. Chaque jour. Moi, je ne clash pas les Niamangolans. Je clash les pointus parce que tu es une grosse pointue de la merde. La raterate. Je dis que toi et moi, c'est une place. Voilà. On dit que ça a fait couper là-bas. En tout cas, moi, je m'en fous. Que tu sois en prison ou pas. Non, il n'y a pas question aussi. Il faut d'abord écouter. Tu dis que je suis pauvre. Ce n'est pas que je suis pauvre. Il faut comprendre mon langage. Quand vous arrivez dans les vidéos des gens, il faut écouter les gens, c'est tout. Est-ce que j'ai dit que je suis pauvre? Ce n'est pas pauvre. Je veux vendre une maison à privé. Là, tu vas voir. Attends.
prends la maïture, à l'époque, quand on va aller la maïture, me belé. De tout ce chien que j'ai mangé, quoi. Le cas du chien. Aïe, ah, ça de mes fesses, lui. Moi, je suis aïe, moi, Jean. Qu'elle soit en prison ou pas, ça ne m'intéresse pas. Elle fait ce qu'elle veut, c'est tout. Elle devait rentrer hier, il fallait qu'elle rentre et tout. Je vous avais dit ici, il y a un problème ici. Vous savez qu'il y a quand je veux pas quelque chose. C'est un piège. Pourquoi? Son visa, sa carte de séjour va finir bientôt. C'est moi-ci. Il n'y a pas de ça. Moi, je ne suis pas là-haut. Donc ça, il fallait voyager avec toi. Niveau de famille, hein. L'erreur. En tout cas, ma mère a dit qu'elle te pardonnait, donc ça ne sert à rien que je m'intéresse à ça. Mais moi, je dis que je fais quand même partie des gens quand même qui t'ont signalé. Je le dis. Mais elle devait rentrer hier, comment? On te convoque, il faut aller. Une fois, on te convoque. On te convoque, une fois, on te convoque, deux fois, on te convoque, trois fois. Mais il faut aller. Quel est le programme de quoi? J'ai connu le programme, mais on a, je répète ce qu'on dit à Facebook. J'étais là. Hein? Et toi, au courant que même pas, rien n'a pris son passeport aussi. Même pas, rien n'a pas pris son passeport. Ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous de parler de mon Ghana. Écoutez-moi très bien. Je répète ce que j'ai entendu dans les réseaux sociaux. C'est tout. Qu'elle passe à la télé, qu'elle ne passe pas, qu'elle rentre, qu'elle ne rentre pas, je n'ai rien à branler. C'est elle-même qui se... On dit en anglais que you do bad, you do for yourself. You do fine, you do for yourself. Tu fais bien, tu fais pour toi. Tu fais mauvais, c'est toujours pour toi. Elle me sait. Elle me sait ce qu'elle a fait. Ma mère n'est pas dedans. Mon frère n'est pas dedans. Je ne suis pas dedans. Mais quand même, je fais partie des gens qui ont signalé. C'est tout. Donc voilà. Ne venez pas la défendre dans mon mur. Attention, hein. Ici, c'est un mur qui est en danger. Je suis avec ma cour, pipi. Mais tu es bagarré avec elle. Oui. En plus de ça, je viens de perdre mon Dieu donné. Oui, c'est Nadine Papa qui ne filmait pas bien. Fallait bien. Nadine Papa, si elle ne filmait pas bien. Elle est dosée bien. Nadine Papa dit, hey, hey, c'était chaud. Je ne me connaissais pas très bien. Oui, j'ai mis la vidéo de la bagarre, j'ai bagarré avec elle. Oui. Dave Aliane, j'en ai rien à foutre. Que elle a quoi ou quoi. Tu ne la défends pas. Ici, c'est mon mur. Je répète seulement ce que j'entends dans les réseaux sociaux. Toi, tu viens, j'ai énervé là. Attention. Je ne veux pas te bloquer ici. Ici, c'est le mur de pipi. Ma collègue. La rate de l'histoire. Donc, vous êtes sûr comme ça. Dès qu'il y a un problème, vous n'écoutez même pas. Vous commencez seulement à vous acharner en genre. Vous acharnez de quoi? Moi, je suis, je répète. On vous a dit quoi? Qu'on l'arrête au pays, qu'on l'arrête pas. Je n'ai rien à foutre. Qu'elle crève pas. La veuve joueuse, quoi, c'est ma soeur. Elle est d'abord qui pour moi. Si un endroit dit qu'il accepte les chiens, ça ne veut pas forcément dire que votre chien s'y sentira bien. Réservez un Airbnb vraiment pensé pour vous. Préoccupé par vos vergetures, elle réduit leur apparence en 4 semaines. Nouveau huile anti-vergeture de Nivea. Donc là, on nous étions en Guinée équatoriale. Vous voulez tout, ça monte plus juste. Vous voulez tout.
un des pays où l'eau a proliféré, avec les pétroliers, avec les Joséphine Bayan, tout le monde a eu sa part. Toi, rien. Nothing. J'ai quand même poisseuse. Hein. Si moi j'étais à l'époque là, on appelle ça quoi, à Malabo. Yeah. Et même la pauvre, celle qui est morte là, elle a trouvé sa part à Malabo. Tout le monde a trouvé sur toi. Si moi j'ai trouvé ma part ici, Lolo, tu es une poisseuse. Même un raté, un rat. Même un rappeur, on te quitte. Même un pauvre te quitte. Tu peux balayer les cimetières d'un Ivoirien que tu n'avais jamais salué un jour. Et tu n'as jamais balayé les cimetières de ton père, même mettre les frères. Tu ne connais même pas. Tellement quand j'ai enterré depuis des années, tu ne connais même pas là où on les enterre. Donc, comme il n'y avait pas les pieds tombales là-bas, donc c'est devenu la terre. Tu es une poisseuse. Tu penses que j'étais poisseuse. Tu vas m'insulter pour me dire quoi? Moi, je m'en ai vu chez toi un jour. Et toi, tu viens ici. Tous mes anniversaires, j'étais presque là. Tu as oublié? C'est pas que je ne filme. Parce que je sors des anciennes vidéos, photos. Avant que tu fasses une danse, tu venais ici. Dans mes anniversaires. Moi, je m'en ai vu chez toi. Bap. Je suis une drogue, comme vous dites. Une drogue qui a quand même construit. Tu connais comment coûte le sac de ciment? À l'époque, nous, on était à la ciment camp. Tu connais combien ça coûte? Une villageoise, une pauvre, une crevée comme toi, tu me parles. Je suis en chantier, hein, pour ça. On t'a dit que si c'est la mère du salut, 5-4, on t'a dit qu'on doit. Pardon. Va chez Lolo. Lolo est là-bas aussi. Elle est au cimetière. Lolo vit au cimetière. Moi, je vis là où il y a la paix, la joie. Et ma tour est faite. C'est pas pareil. On t'attend demain. Je vais vous regarder demain. Vous savez, excusez-moi, il y a certains Japonais pipi là. Je demande, vous avez venu de quoi ici? Nous, on est venus ici, ils ont regardé, Warriors, on s'est battu. On a quand même fait quelque chose au pays. On a quand même vécu. On a quand même fait venir nos enfants. Toi, tu es venu de quoi ici? Rien. Yuzo Gloria, si, c'est son père même qui a payé le Boza pour elle, pour qu'elle vienne ici. Tu as quoi? T'as rien? T'es pour fille? Tu as un avenir incertain? Hein, pipi? Obligé? Rien du tout? C'est Facebook qui est venu vous mettre pas à donner un peu de la valeur. Alors que nous, on avait déjà la valeur de voir le Facebook parce qu'elle est pour qu'on construit les réseaux sociaux. Tu me parles, moi? Coucou, Olga. Comment va ma mère? Je sais pas si on a qui. Toi, c'est le Congo, ça, matin, midi et soir. On a dit que, on a fait que, on a dit que. Tu me vois dans vos bêtises là. Je suis venu là-bas pour m'écrire un peu. Et je t'ai répondu. Otam a dit que. Otam, c'est qui? Je l'ai foutu dehors. Hein? Une bande de mou. Mou. Otam, bande de mou. Moi, je ne sais pas comment manquer. Un mec qui bande de mou a pu t'attacher. Déjà, Stéphane Fodja, c'est quelqu'un qui aime la violence au lit, c'est au courant. On tout le monde au courant. Hein? Stéphane Fodja, il est tabassé avant de faire l'amour. Et tu adores quand on t'attache, quand on te tabasse. Oui, c'est tout. On t'a même pas attaché, pourquoi? Pourquoi on t'a pas attaché? Parce que c'est moi qui commandais. Même lui ne vivait pas chez moi. Il vient chez moi, il vient avec les kebabs. Rien que son kebab. Mais tu sais, maman, toi, lui, il vient ici. Il vient seulement avec le kebab. Mais tu sais, dit que, maman, nos pommes de terre, là, hein, on ne lui donne pas rien. Hein, et que jamais. Il est traité comme. Tu me connais.
Et c'est comme je suis gentil, mais en intimité, je suis méchant. Je suis dur. Tout le monde a partagé tes vidéos. Il n'y a que moi. Un homme qui a partagé ta nudité. Qui est parti te ridiculiser à la télévision. Hey! Jusqu'à dire que pour te baiser, il faut te tabasser. Il faut qu'on te pique avec la pique l'héroïne. Tu es encore avec lui. Elle est bien contente. Hein? Elle avait au table. Ah, ça va, vous êtes au table. Anza. Et oui. Un pickpocket qui vole dans les bus. Il sévissait à l'époque dans les bus 31 qui va à Charles de Gaulle. En tout cas, entre vous là, vous reconnaissez. Lolo, je suis une battante. Je me suis battue dans ma vie. Ce que moi j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai eu, tu n'auras jamais ça. Je me suis battue quand même. Je me suis battue quand même dans ma vie. On vit en Europe. Ok. Donc tu vis en Europe pour encore aller prendre un beau-zard et lui mener sans papier. Mais les filles, on est quand même ici. On va le cul, on fait ceci, on trouve des maris, on a des enfants, ça, ça, ça. Vous venez ici pour encore attraper les voleurs, les gens qui volent les viandes dans les mamies, les queues de vous. Donc, pipi, toi et moi, c'est une place. Montre ça. Moi, j'ai mon livret de famille. Ta vie et la mienne, c'est même incomparable. Moi, je te dis. Tu es une petite fille devant moi. Qu'est-ce que c'est comme ça? Tu es quoi? Un mal à la beauté. Tous les hommes qui t'ont baisé depuis qu'il t'a assumé. Jusqu'à ce qu'un homme te quitte. Il prend une femme pour venir récupérer les choses dans la maison. Ah, ben, non. Il n'y a qu'à Hollywood que je vois souvent sur la télévision. Hein. À Hollywood. Pas ici à Paris. Marie est venue chez toi. Avec pas rapport. Là, pour prendre ses affaires. Avec un gossa. Qui, moi? Mais tu as chassé pas DJ. Aujourd'hui, tu es où? Voilà ton rapport qui fait les vidéos là-bas avec Marie. Le père de son enfant. Tu parles à qui? On t'a dit que tout le monde est pareil. J'ai dit que Lolo, attends que ma cuisine soit finie. Maintenant, je vais commencer à sortir. Je vais te montrer mes milieux où je pars. Je vais te montrer qui je suis. Et j'arrive au Cameroun. Challenge! Je te montre la villa. Accueille. Je veux vendre ça. Je veux te montrer mon ampoule rouge. Donc ferme ta gueule. Là où ma famille vit, c'est le terrain de ma grand-mère. Bah oui, mais c'est quand même moi qui a construit. Il y a une villa, il y a une dépendance, il y a ceci. Et je viens de vendre deux terrains. Tu veux te montrer des preuves? Tu sais, il faut te comparer aux gens qui sont comme toi. Parce que toi et moi, déjà, le même milieu, on ne fréquente pas. On n'est pas pareil. Alors, ferme ta gueule. Tu as beau ça, bon. Oh, j'ai fait beaucoup de pays. Vous venez faire quoi ici en France? Pour cette vie de merde là? Moi, j'ai fait beaucoup de choses, oui. Et alors, je suis là aujourd'hui, parce que je suis quoi? Les choses sont en train de se décanter doucement. Je vais être une femme importante bientôt. Très importante. Et toi, tu seras quoi? Toujours dans les réseaux sociaux. À commander sans quoi? Sans étoile. Tu vas rester astronaute virtuel toute ta vie. Astronaute virtuel toute ta vie. Tu me parles de moi, madame de Grimont. Moi, j'ai un nom. Livret de famille. Vous aimez venir faire quoi ici alors? Moi, je suis à mariage. Hein? Toi, tu veux faire quoi ici? Le blanc, il n'y a pas. Le noir, que les ratés, les rampes, que les gens de mauvaise vie. Et tu ouvres ta gueule. Tu prends un petit pauvre minable, taxi, bolt, tu es derrière, tu filmes comme si c'est ta voiture. C'est ta voiture? Mbap! Maman, tu te filmes avec quelqu'un qui t'a violé un attacheur. Hey! Là, on t'a tué, les filles bagatelles. Pour vous, c'est grave. Hein? Elle est contente. Hey, Lolo, maman, attends.
Je veux prendre un gentleman bientôt là. Do you speak English? I'm speaking English. You know what I mean? Moi j'ai, attends, c'est pas beau à dire, mais j'ai quand même, j'ai aidé beaucoup de filles, hein, la prostitution. J'étais pas une marqueuse, mais j'amenais les filles, tout ça, et je fréquentais les boîtes à champagne, les bars à champagne. Tous ces filles, elles disaient, va, sommet, tout ça, elles connaissaient quoi, c'est moi qui amène tout le monde, hein. Les marquises, ça, 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 ça. Tu peux dire les noms ici? Que ça soit une vieille vidéo ou pas, pourquoi venir encore mettre ça? Elle est contente, hein. Eh, hey, mon Dieu! Il bande d'abord mou. Il a un bon pénis d'une bonne proportion, mais il ne sait pas baiser. Il ne sait rien faire. S'il n'est pas joué avec un homme, pas un goût, bon, moi. Avec pas un goût, j'ai quand même joué avec pas un goût. J'ai joué avec pas un goût. Comme lui-même est baisé, comme le serpent, là, je n'ai pas compris sa façon, là. Le seul homme que tu as désiré, c'est pas Pangou. Il a dit qu'il ne t'aime pas. Il t'a lavé comme il m'avait lavé. Il a dit que tu étais le rat. Il a dit qu'il ne t'aime pas pour rat. Là où ça prend, ça t'appelle un bon boko aussi. T'as oublié. Moi, je n'oublie jamais rien. Moi, je suis ma asiko, ma nain. Et alors, moi, j'assume. Il m'appelait rat. Et maintenant, tu es avec qui? La personne qui t'a appelé rat. Rat, vraiment. Zéro paix à Facebook, pardon. Zéro paix, mieux on reste dans la zéro paix. Dieu! Ceux qui t'ont acheté des rats. Et moi, j'ai acheté que rate. Pardon. Parce que moi, j'ai des idées. Dieu! Bon, ça a pris mon bon aussi. Moi, je suis mal à ce qu'on est. Bon bon aussi. Oh, Pesa Mota a terminé avec toi, t'as dit que tu es le rat. Il ne répond pas au rat. Elle fait le direct. Vous avez vu, il me traite de rat. Maintenant, ah bah, je suis le rat. Vous savez, après, bon, moi aussi. Moi, il te répond calmement et sûrement. Et c'est sûr de moi, et c'est sûr de ce que je dis. Ah, maintenant, les rats. Bobo Kossi a trouvé son maître. Moi, j'ai bien baisé avec lui. Ça, c'est la différence entre toi et moi. Parce que tous ces hommes-là, j'ai fini avec eux. Et toi, tu as fini avec qui? Rampe, et parti ramper chez Marie. Rate, j'ai bien là. Parce que le cul est genre. Il va encore t'attacher le tout. Il va seulement faire le tout chinois. Il va seulement faire la balançoire japonais. Et à un moment, et je vais encore publier. T'as même pas honte. Hey! Vous me aussi. Le rat de Facebook. C'est Pesé Amot. Alias, Bangou, qui t'a nommé Bombo aussi. N'oublie pas. Le rat. Maman, quand vous savez, puis ça, vous savez, c'est pas dit Bombo aussi. Ton ancien collègue, avec qui vous sévissez pour insulter les gens, elle t'a jeté comme l'a jeté les autres. Autant que c'est comme vous. Moi, j'assume tout. Ma foufou, ma alcoolique, ma asticoïe. Il faut assumer. Mais oui. Alors, c'est vrai, non? On m'a trouvé avec la scène en coup, non? Oui ou non? N'est-ce pas, je bois? N'est-ce pas, on a des asticots ici? Alors, il faut assumer. Tu as pleuré. Il dit que quoi? C'est par parent, c'est ma chambre. Tu as nettoyé le président Monté. C'est ce qu'il t'a dit que. Il a fait une longue liste, comme il s'est souvent écrit là. Il t'a lavé. Il a dit qu'il ne répond pas au roi. Bon, ça a pris, ça a dit que bon, beaucoup aussi. Tu as vu Rapporamp à une belle vie maintenant. Il est parti ramper chez Marie. On attend la suite aussi là-bas. On ne sait jamais. Parce que ce qui commence à Facebook aussi, ça finit toujours à Facebook.
Maintenant, tu retournes avec ton rat. Et la différence, c'est que moi, j'ai baisé avec toutes ces hommes-là. I am the belle. Tu es plus belle que moi. Eh, ben, dis donc. Je suis belle. Une femme qui est belle, c'est une femme au moins qui a un ou deux enfants. Vous avez eu l'opportunité d'avoir des enfants. Vous avez enlevé les enfants. Vous avez enlevé vos enfants. Jeté. Ne venez pas dire aujourd'hui que moi maintenant, mon ventre est mieux. Que j'ai enlevé l'utérus parce que je suis venu, j'ai travaillé ce que je lui ai dit. Déjà, et Baba Zozo, quand tu jettes une poubelle, tu prends une poubelle parce que c'est sale. Tu jettes, est-ce que tu vas repartir prendre la poubelle? Je fous quoi avec lui? Un, ton pénis ne se lève pas chez moi, c'est mon mot. De deux, il est pauvre. Tu crois que moi je vais coucher avec les gens qui sont pauvres? À l'époque, j'avais l'argent, je couchais avec lui. Et je l'ai traité comme une merde qu'il est. Et je le dis toujours. Et c'est ça que lui ne veut pas. Quand tu as bien parlé de notre relation à Facebook, il essaie seulement de faire tchac. Un maître chanteur, il couche avec une famille d'Arégis. Viens, Péchak! Ça veut dire, oh, t'as fait mon amour, je te dis, dans mes états, fais mon amour. Maman! Tout le 17e, on était au courant. Ah oui? Non, n'est-ce pas, tu avais dit que, oh, que je ne couchais pas avec Otam. Tu vois un homme, debout, machin, il peut coucher avec toi. Maintenant, tu avoues. Toi, tu viens encore te trahir à Facebook en disant que, oui, tu as suivi les voix. Tu me connais, moi? Toi, tu es sur le baptême, on t'attache. Mais moi, je les rejette. Mais oui, si tu, quand tu manges des kebabs chez moi, on t'a dit que je sois bien manger des kebabs. Je les traitais comme je voulais, je les foutu dehors à 5h du matin. Toi, on t'attache, on va parler de toi dans la télévision. Chahi Chasson. C'était ma copine avant, Chahi Chasson. On se défend. Que ça soit Dex Champagne, que ça soit pas Gougou, j'ai fini avec eux tous. Quoi? J'ai lavé propre. Voilà, par la télévision qui est parti. Oh, il va revenir. Tu as vu l'appartement de Marie? Ils ont regardé la télévision. Ils ont l'appartement qui est propre. Ils sont bien. Parce que Mado aussi, parce que Marie aussi est maillard comme toi. Ils ont leur petite vie tranquille. Ils font l'amour. Et maman, les versi. Tu fais même comment là-bas, non? Il faut payer le zip-zip. Mon zip-zip, il y a même plus de c'est même pas là, mon zip-zip, surtout. Moi, je fais avec le doigt. Mais moi, je suis venu, j'ai déjà compris ce que j'ai fait. J'ai aidé ma famille, j'ai fait ce que je voulais. Maintenant, moi, je vais aller en Australie, voir les kangourous. Je vais faire ma croisière, s'amuse, c'est tout. Tu as qu'à rêver avec toi. Tu n'as pas de rêve, tu ne rêves pas. Ton rêve, c'est d'aller le dimanche là-bas, là où il y a le tapis rouge. Là où il y a les Africains. Au lieu d'aller peut-être à l'hôtel de Coste ou bien au Crayon, dans les beaux endroits, il faut toujours aller vous retrouver dans vos histoires de noirs, d'accord? On n'est pas pareil, hein? Pas du tout. Quand tu arrives en Europe, tu fais quoi? Tu te bats. Tu as tes papiers. Tu te maries, tu fais des enfants. Peu importe comment tu vas t'en sortir. Toi alors, tu as même quoi? On va au moins se marier quand même. Toi alors, ni enfant, ni mariage, rien. Rien que les make-up, ton héritage, c'est les misérables perruques. C'est les perruques. Tu sais combien j'en ai ici? Tu me connais, moi? Tu sais combien de perruques j'ai dans cette maison? Hein? Je vais. Attends. Elle vient de cette perruque. Parce que. L'héritage. C'est tout. Parce que tu es une villageoise. Une femme qui vient présenter les perruques synthétiques dans les réseaux sociaux. Et tes abeilles sont là, les misérables femmes qui sont comme toi. T'encourages de la bêtise. Bientôt, que quand. Ouais, j'ai confiance à que quand.
sors ta télé là. Loulou. Oh! Moi, mais je vais partager la télévision là. Quand, quand. Tu vas voir comment les abeilles vont changer. De quand? Parce qu'il faut bien avoir quelque chose quand même. Il faut avoir une activité en tant que blogueur. On a déjà dit. Hmm? Il faut voir que en tant que blogueur, chaque blogueur doit avoir une activité. Moi, j'ai mon gars. Toi, tu as quelle activité? La télévision, le Facebook? Mais j'ai déjà quelque chose. Mais il faut inviter les vrais artistes. Toi, vraiment. Voilà quelqu'un comme là-bas. Elle dit que, elle dit que quoi? Elle est de la multinationale. Là, quelqu'un. Donc, tu vois. Sois à ta télé. Tu auras une activité. Comme ça, tu vas voir comment le voirage à Facebook. Les abeilles vont commencer à dire que tu connais les abeilles, non? Je te dis, moi je suis dans mon gars. Depuis des années que mon mari et moi, on m'a mis ici, tu l'as entendu que je suis allé dormir chez quelqu'un. Je bois mon chat à donner, je réfléchis. Demain, c'est le boomerang. Demain, c'est le travail, le vrai travail. Je prépare moi-même. Chef doit te cuisiner. Il faut travailler. Tu as une cuisine témoin. Ta cuisine, c'est une cuisine témoin. Welcome, welcome. Welcome to the kitchen. Maman, une cuisine rouge. Ouais, il faut pas une couleur. Tu ne vois pas que ta cuisine est sombre. Ta cuisine est sombre. Tu vas préparer plus que moi. Une personne qui est venue en garde à rester ici en garde. 4 jours. C'est elle qui m'insulte. Tu m'as vu chez toi un jour. Misérable vermin. Tu vas rester raté toute ta vie. Quand je me lève pour travailler, comme demain là, seul, je vais faire des plats. Les gens vont venir manger. Pour dimanche. Toi, tu es là. C'est mal dans les imbos. Elle page, je ne vais pas. Fais le Congo ça. Elle page de Congo. Hey! Une blogueuse. Hein? Les blogueuses restent chez eux. Ce sont les autres qui viennent dans leur blog. Moi, je pars parfois chez Dana, je pars parce que c'est une personne que j'aime bien. Malgré tous les coups bas qu'elle m'a fait dans la vie. Mais moi, je l'aime bien. Il y a un problème ici à Facebook. Quand les mamans, comme vous avez insulté Namango ici, là, que Namango, quand je baise, et Namango fait les finitions. Quand on insulte sur vos enfants, il faut accepter. Il faut assumer. C'est comme ça. Et Namango était fini à Facebook. Oui, et Namango. Ah ouais. Donc, je vais vous dire à l'heure que je vais vous communiquer l'heure tout à l'heure. Voilà. Je vais vous communiquer l'heure. Mais en tout cas, c'est juste à 14h. De toute façon, vous allez aussi venir aussi voir la cuisine que vous voyez ici. Vous allez aussi venir voir la cuisine de Nadia. Parce que moi-même, je suis étonné. La cuisine, c'est... Je suis dans l'étonnement. Pi, pi, pi. Elle est jolie. Une vieille prostituée. Il n'a rien foutu dans sa vie. Il y a tout le monde est bum. C'est ce qu'on appelle les bum. Un petit bunga de quelque part, rien. Tu vas rentrer ici vivre chez ton papa. Là-bas à Kribi. Je vais filmer ma maison, tu vas voir. J'ai un duplex. Tu n'es pas au courant? Le. Je t'adore. J'adore les ignorants comme vous. Moi, je me suis battu. Hein. Il va aller vendre mes choses là. Eh ouais. C'est la vie. Donc, toi et moi, on n'a pas les mêmes signes de vie. Je ne connais pas là où tu habites. La dernière fois, là, j'allais mourir de rire ici. Comme on la panthère. Hey! N'est-ce pas? On a vu comment tu l'as accueilli. Avec le champagne. Ah,
Oui, il y a eu quoi? Tu as vu comment tu es? Tu es instable dans ta tête. Tu es instable. La première fois qu'on a vu le haut balcon, ce jour-là. Moi, je passe souvent pour le balcon. Hein. Quand il vient chez toi, il oublie son téléphone. S'il revient et que la petite ouvre la porte, il a pris son téléphone et est parti, tu t'énerves. Eh, pas un fou, va payer la tomate. En tant que je ne peux pas avec une tomate. Hey! Ici, c'est à Gogo. Là, nous, tu es à Gogo ici. Donc, tu peux autant m'insulter comme tu veux. Mais toi et moi, on n'est pas pareil. Toi, tu dois disparaître parce que tu bouffes. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien dans la vie. Hein? Les gens comme toi, là, qui n'ont jamais rien fait dans la vie, doivent disparaître. Bah oui. Tu as un phénomène inexpliqué. Tu vas disparaître. Hein? C'est quoi ça? Tu quittes là-bas. Tu nages. Vous faites le bon sens, vous arrivez en France pour une vie meilleure. Moi, j'ai quand même une vie meilleure, hein, maman. Depuis le Cameroun, même. Oui. La vie a changé. Je me suis battu, j'ai trouvé. Notre vie, ça a encore changé. On dit seulement que jamais deux sans toi. Moi, je pars déjà dans mon troisième cycle. Et je vais encore voir. Et je vais aller en Australie. Toi, premier cycle, deuxième cycle, troisième, rien. Et tu viens ouvrir ta gueule dans les réseaux sociaux à quel âge? À quel âge? Tu as eu le temps, l'opportunité de faire beaucoup de choses, de travailler, de raconter un homme, d'être une épouse, même si tu n'es pas d'enfant, reconnaître des enfants. Rien. Quand que les papiers, puis rien ne parle, les gens, comme si on dit qu'on décide qu'on vous rapatrie, si moi je suis à mariage, l'autre, tu sais, pourquoi est-ce que moi je suis à mariage ici? Je suis veuve d'agrément. Mon mari au cimetière, il m'a réalisé, comme tu dis, parce qu'apparemment tu connais bien ma vie plus que moi-même. Oui. Entre toi et moi, on va chasser qui ici? On te chasse. Tu n'es même pas attaché. Qu'est-ce que tu attaches à ce pays? Rien. Elles n'ont pas eu le temps d'accoucher, n'ont pas eu le temps d'aller épouser les vieux blancs, ou même les vieux noirs, les vieux entiers qui ont l'argent, même rien. Elles se pavent dans les réseaux sociaux, avec les ting-ting pantalons, avec les Yacoubo aux pieds, ils viennent parler. C'est fini, hein? Quand tu te regardes, tu me regardes, tout le monde est pareil. Apprécie-moi, je me suis quand même battu. Je me suis battu. Tu as vu le camp là? Même si c'est une vieille maison, j'ai quand même battu. Je m'en vais à Pribi. Je veux filmer la maison là comme ça. Je vends ça. Je blesse. Tu m'entends? J'ai décidé de vendre tout ça. Tu me connais, mec? Tu me connais? Toi et moi, on est pareil. C'est les réseaux sociaux qui nous assemblent. Ma foufou, tu étais élégante, hein? Très belle. Tu portes les pantalons, tu ne sais même pas, tu ne sais même pas te tenir avec des pantalons, tu ne sais même pas porter, tu ne sais même pas marcher. Hein? Quand tu portes une veste, il y a une façon de marcher avec la veste. C'est là qu'on voit la beauté de la femme. Rien. Mon père, ma mère, ils sont déjà morts depuis, laisse reposer. Tu es parti mettre même une fleur dans la tombe de tes parents un jour. Mais tu es parti balayer. Ouas. Et puis, tu sais, quand elle fait ce colis là, il fallait voir pour balayer la tombe de douce là. Ouais, mieux. Les pieds nus. Vous partez ramasser la poisse, vous amenez dans mon misérable vie. Il dit que j'ai un certain comme la vôtre là. Tu peux encore ramasser la peau dans un tombeau. Hey! Tout ça pour les buzz. Il faut même que je pas même. Je dois aller mettre les fleurs sur la tombe de mon mari demain. Moi-même, je m'appelle qui est au cimetière. C'est de vraiment mon mari. Même dans quel moment est-ce qu'il pense même à quoi moi? Mon mari, maman, c'est très sympa, très gentil.
vos maris. Quand ils amènent, ils partent dans quel monde? Ouais. Ils partent dans un monde. Ils partent mieux souvent. Laurent. Moi, je vais mourir veuve. Au moins. Toi, tu vas mourir quoi, rien. Hein? Moi, je suis là où mon mari est. Une femme qui fait la polyandrie. Il vient babader. Tu crois que par la tête. Stéphane était quand même. Stéphane Fodjé était quand même. Oh, Stéphane Fodjé a quand même subi, hein. Aïe! Il a subi. Aujourd'hui, il est en paix avec sa jolie mari. Toi, tu es là, tu rêves de ton attacheur. Ma pauvre, viens, on va aller chez les blancs là-bas. On va aller chez. Je vais t'appeler à l'autre. On va aller chez les blancs, cher de gauche. Je vais t'appeler dans mon monde parce que j'ai pitié de toi. Non, je vais appeler l'autre. Il faut quand même que je vais lui tendre la main quand même. Oui, je vais l'appeler. Et le bon. Viens me retrouver sur Champs-Élysées. Parce qu'il y a Champs-Élysées et il y a les petits endroits un peu bizarres. Hein? Autant là, validé dans la bétécologie, un pauvre avec une pauvre, ils vont faire quoi ensemble? Autant pas payer son loyer. Hein? Vous voyez, vous êtes petits gens, on est en Europe ici, ici on est venu pour se battre. Hein? Autant là, validé. Ah ouais? Autant là, c'est papier, les vrais papiers. Hein? Et autant, c'est un homme que si il a beaucoup de femmes, hein? Donc tout ça, c'est pour devenir avec Otam. Tchèi! Otam l'a validé. Hmm? S'il me baisait bien, j'allais me battre pour lui. Mais comme il baise mon, ça ne m'intéresse pas. Au moins, pas un gourou, quand même fait jouer. Otam, jamais. En plus, un homme qui mange les kebabs, alors que pas un gourou, on mangeait les sols. On était dans les bons endroits. Alors que lui, c'est le kebab. Je fous quoi avec un mec qui mange le kebab. Avec Pangou, on mangeait quand même les sols. On buvait le champagne avec Pangou. Et à l'époque, Pangou avait beaucoup de bijoux partout. Hmm? Je ne sais pas où avait un mangeur de kebab. Un rate pas. Il n'y a que les rates qui valident. Lolo, je vais te montrer que je suis vrai. Rate. Quelqu'un qui sévit. Il vaut les vieux. Il vaut les grammaires. Pour vivre. Mais il est gentil quand même. Il est même sympa. Hein. Mais. Il a un homme d'affaires. Hein. Un homme d'affaires qui se vit dans les bus 31 pour voler les petites vieilles blanches. Un imbécile. Tave. Un voleur de carte bleue, un fait mal à la con. De rien fait mal. Homme d'affaires. Tu vois. Vous encouragez les bêtises. Oui, mon pote, moi. Non, je te mets ici. Comment il y avait personne? Comment il y avait des gens pour travailler là? J'ai d'abord mis mon porte-monnaie en bas. On ne sait jamais. Parce que moi, ici, on me voit tous les jours. Pam, Ponja, rap est parti. Il a tellement souffert. Une femme qui vit avec un homme, il ne crie pas dehors. On l'attache. Hey, non. Je suis d'accord que Pam Fondia, elle s'est reposée. Ah oui. Et Akiba, Marie, merci beaucoup. Tu as récupéré d'autres. Stéphane, c'est qui Mado?
Là, maintenant, tu vas aller acheter, tu vas aller, mais là, tu vas te tabasser propre. Écoutez, moi, quelqu'un, vous voulez m'aider, vous m'aidez, parce que ce n'est pas grave. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai ici. Moi, je suis comme je suis. Bon, je dois manger, me laver, manger. Après, je vais cailler les poissons. Il faut que je caille tous les poissons, c'est important parce que sinon. Donc, ici, il y a le tilapia. Je sais que les riches, vous n'aimez pas ça. Il y a le tilapia, il y a le. Il y a le mâcheron pour faire le domba. Il y a le. Et bah. Et ensuite, il y a quoi? Il y a du poulet. Oui. Et ensuite, il y a quoi? Misuma. Donc, je dois attacher 100 misuma. Non, même pas 100, c'est petit. 300. Parce que j'ai pu quand même les misuma, les 150 euros. Donc, je fais ça tout seul. Donc. Vous allez voir comment vous allez bien manger. Je veux bien vous recevoir. Allez, n'allez pas parler en direct. Allez la voir là-bas. Vous aimez là où c'est le Congo, ça. Allez-y. Moi, je vous laisse. Allez en direct. N'allez pas en direct. Allez la voir. Moi, je vais me reposer. Après, je vais. Parce qu'il faut que j'organise tout seul. Il faut que j'arrange les choses. Il faut. Voilà. Elle va offrir quoi? Elle va offrir une voiture à autant. Bah, c'est une bonne chose, je sais. Vous savez, il y a les femmes qui offrent, il y a les femmes qui offrent les biens aux hommes. Hein. Il y a les femmes qui achètent les maisons aux hommes, les vêtements, il y a les gigolos. Enfin, pas même pas les gigolos, il y a les femmes qui offrent. Pourquoi pas? Si le là, les moyens, elle peut offrir une voiture à autant, bien sûr. Oui, mais je pense qu'on t'a une voiture, je pense. Hein. Et oui, je pense qu'on t'a doit avoir une voiture, si je me trompe. Je ne sais pas. S'il conduit, je ne sais pas. Donc voilà. Allez, je t'attends là. À demain. Hein. On se voit demain. Donc, il faut que j'arrange et tout. Lolo, moi, j'ai mon livret de famille. Hein. Montre ta part. Challenge. Tu montres ta part. On continue le challenge. Donc voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, bah, à demain, parce que vous savez que je dois me reposer vraiment. Et je dois travailler demain. En fait, je suis une personne qui est un peu boulimique, quoi. Ça veut dire quoi? J'aime quand j'ai beaucoup de choses à faire, quoi. Donc, il faut que j'arrange le salon, il faut que j'arrange ceci, il faut que j'arrange. J'aime ça. Moi, j'aime quand je suis occupé, quand il y a beaucoup de choses à faire. Comme demain, vraiment, je serai occupé. Vraiment. Occupé. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir et tout ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et donc, voilà. On a validé, c'est pas grave, Benji. Bonne nuit à toi. À demain. On va. Maman, je vais travailler demain. Alors là, le travail.